Bonjour. Alors aujourd'hui, on va travailler l'équilibre, donc debout. Donc on va travailler essentiellement sur les jambes, les fessiers, ischio-jambiers et voilà. Donc on peut se placer près d'un mur, près d'une fenêtre pour se tenir. Ou sinon, je vais vous montrer une petite technique pour avoir plus d'équilibre. Donc, on va commencer par la jambe droite, par exemple. Donc, on reste bien droit. Hop, donc, on va suivre jusqu'au genou et on va monter. Flex. Donc, si on voit qu'on perd l'équilibre, on se tient. On peut se tenir comme ça. Et on peut mettre la main sur la tête, comme ça, on a un peu plus d'équilibre. On va en faire 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur le côté, pareil. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, courage. Derrière, donc derrière, ça va être plus petit. 1, 2, 3. On reste bien zippé pour ne pas creuser le dos. 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. On marche un peu sur place. Donc on imagine bien le zip. Hein. Comme si on avait un pantalon de ski, zip très haut. On serre bien les abdos pour ne pas creuser le dos. On marche un peu sur place pour détendre un peu la jambe d'appui. Et forcément, on change de jambe. Et on refait la même chose. Donc on a toujours une jambe plus forte que l'autre. Donc vous allez sentir. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côté. 1, 2, 3, 4, on reste bien droit. 5, 6, 7. Donc, on regarde un peu en face, 8, 9 et 10, dernier arrière, 1, 2, 3, on ne creuse pas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On marche un peu sur place. Hop, c'est pas encore fini. Allez. On se remet petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remarche un peu sur place. Et là, on va imaginer qu'on fait un 8 à l'envers, donc à l'infini. Donc on est des jolies danseuses de tango. Donc, 1. 2, 3, 4, on respire, 5, donc c'est les jambes qui bougent, c'est pas tout le corps, hein. 7, 8, 9 et 10, on change de jambe, 2, 3, 4, on maîtrise, hein. 5, 6,
7, 8, 9 et 10. On finit sur place en V Pilates. Donc voilà, les pieds comme ça. On monte sur la pointe. Donc on essaie de monter vraiment droite et pas trop penché en avant ni en arrière. Donc on se contrôle. Pointe des pieds, zippé. On reste droite. On redescend. Donc là, on serre bien. Allez, on relâche tout. On resserre et on monte. On serre bien et on redescend. Allez, dernier, je me mets de face. Donc on fait bien attention de ne pas partir vers l'avant, parce que là on travaille moins. On contrôle la montée, même si c'est un tout petit peu haut. Et on ferme les yeux. Forcément, on va pas tenir. Voilà! À vous de jouer!